Oui, tout à fait. Cérémonie présidée par Jean-Yves Le Drian en personne, qui a prononcé l'éloge funèbre, qui a salué un guerrier formidable au service de la France pendant 14 ans, l'adjudant Harold Wormezel, qui est donc mort pour la France mardi dernier, en opération de reconnaissance au Nord-Mali, dans ce massif de l'Adrar des Eforas, lieu où sont retranchés les terroristes. Il faisait partie d'une opération baptisée Panthère, qui monopolise toujours 150 militaires maliens et français. Opération toujours en cours pour déloger, pour entourer et si possible capturer certains de ces terroristes. Les militaires disent d'ailleurs qu'ils iront chercher les terroristes dans ce massif à la fourchette à escargot. C'est l'expression utilisée par les militaires. Cet adjudant a donc été décoré de la médaille militaire tout à l'heure, chose peu commune car c'est une médaille qui est normalement décernée uniquement aux sous-officiers. Il a été décoré évidemment de la Légion d'honneur. Jean-Yves Le Drian l'a fait chevalier dans cette cour d'honneur des Invalides.